Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, j'ai mis mes menaces à exécution, je suis manette en main et on est aujourd'hui sur Steep. Alors qui c'est Steep? Eh bien ce type, c'est un jeu de snowboard que j'apprécie beaucoup, enfin que j'ai découvert hier, pour être tout à fait franc, ou avant-hier peut-être. Et en fait, moi, personnellement, j'adore le snowboard. C'est vrai que je m'étais pas trop intéressé encore à ça, mais il s'avère que les jeux de snowboard, ils commencent à être vraiment sympas. Tiens, il y a un dinosaure qui va faire du snow. Pourquoi pas? Donc, ce jeu de snowboard, alors qui est un jeu multidiscipline, en fait, un snowboard, ski, wingsuit et parapente, il est plutôt super bien fait. Il y a un univers qui est, enfin, un monde ouvert qui est énorme et franchement, c'est tout ce qu'il faut pour faire mon bonheur. Alors, ce jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même 4 ans, donc ce qui est pas rien. Donc, il est de fin 2016, décembre 2016 pour être précis. Et pourquoi je sors ce jeu maintenant? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai vu que Riders Republic arrive en septembre. Donc Riders Republic qui est ni plus ni moins que la suite de Steep avec des disciplines supplémentaires et notamment du VTT, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et puis surtout il y a un autre jeu qui arrive cette fois-ci en décembre et qui sera en plus inclus dans le Game Pass, c'est Shredders. Et Shredders, au niveau de la qualité de reproduction du snowboard, c'est absolument génial. Les traces sont magnifiques, les projections de neige sur le côté sont impressionnantes, etc. Bref, j'ai hâte d'être à décembre juste pour ça. Donc là, pour l'instant, on se contente de Steep, qui est vraiment un très très bon jeu et qui est très dépaysant. Ça fait vraiment, c'est vraiment très très appréciable. Pour l'instant, on va rester sur le snowpark et on ira faire un petit peu de freeride juste après. Allez, let's go, on va essayer de battre mon record sur cette piste qui est de 3255 points, donc en faisant des tricks les plus, comment dire, plus compliqués les uns que les autres. Let's go. Eh ben c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est l'échauffement, hein, on va dire ça. Oh, joli. Alors, 2000 points, bon. Allez, pour un début, on va dire que c'est pas trop mal. C'est reparti. Alors je suis débutant hein, sur le jeu. Oh là là, mais décidément. Ouh, il est mortel. Ouais. Mais non, il repart encore par là-bas. C'était quoi ça? Ok. Ça c'est chiant hein. Bon. Ah bah tiens, en voilà une belle. Ouais. Oh, elle était belle celle-là.
Ça, c'était à chier. Ouais, les 2000 points. Bon. Allez, on va rester. Tiens, level up. Allez, on va rester là-dessus. On va repartir une autre piste que j'aime bien. Si j'arrive à la retrouver. Parce que elle est quand même assez. Est-ce que c'est celle-ci? Ouais, c'est celle-là. Ok, allez. On va partir sur celle-là. Oh, j'adore voir l'ambiance changer comme ça, c'est excellent. Alors, si jamais ça vous plaît pas l'ambiance, vous avez les possibilités, en appuyant sur la touche du haut ici, de faire changer l'heure du jour. Et si vous êtes dans le menu pause, vous pouvez aussi même changer carrément l'ambiance, passer sur une ambiance de nuit si vous voulez, etc. Alors là, c'est un run qui va très très vite, et donc on est en free ride, et le but c'est d'essayer de faire un maximum de points. Pas comme ça. Alors on la recommence direct là parce que c'est pas bon, c'est mal parti dès le départ. Ouh. Allez, reprends tes esprits. Ride. Banzai, ouais, tu m'étonnes. Ragdoll mode. Mais non, faut pas que je la prenne celle-là. Les arbres. Allez, petite dernière là. En avant. Oh, c'est joli ça! L'arbre! Non! Ouh, purée! Alors là, il faut bien le prendre celui-là. Et ben voilà, ça fait plaisir. Au moins j'aurai quelque chose à vous montrer. Hé, hey, on va se passer le replay de quoi? Ah si, c'est bon. Voilà, bon, allez. Sur ces belles images. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, il y aura d'autres... d'autres images à venir. Et puis, on va aussi tester très très prochainement The Ascent, parce que c'est un jeu qui me fait vraiment de l'œil. Et puis voilà, hein, donc il y a le nouvel habillage de la chaîne. Il me reste encore à trouver un nouveau slogan. Ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner si ce que vous voyez vous plaît. Laissez le petit pouce bleu de l'amour, le petit commentaire qui va bien. Pour vous dire, pour me dire ce qui va pas, ce que vous aimez ou pas, et même pour faire un coucou. Et puis, ma foi, voilà, hein. On va se quitter sur ce joli petit record. Wouhou!
de 13 000 points. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne route et soyez sages au volant. Kenavo.